me dire que vous êtes mon père, c'est ça? Non, gamin, je suis pas ton père. C'était qui, cette femme? Ferme ton clapet pour l'instant et baisse la tête. Vous allez me tuer? Mais non, je vais pas te tuer. Ferme-la. Vous m'emmenez où? Je t'emmène en sécurité. Maintenant, tu te tais, je veux plus t'entendre. Je m'appelle Léon de Dubreuil. Je fais partie de l'Ordre des Chevaliers. Je suis ravi pour vous. Vous savez que mon père est gendarme? Vous allez avoir plein d'ennuis. Ton père est vendeur dans un magasin de téléphonie mobile, Erwan. Je te connais. Ça fait longtemps que je te surveille, tu sais. Ouais, il est peut-être vendeur. Mais il connaît plein de gendarmes. Et ils vont venir me chercher. En plus, mon père, il est super fort. Il va vous casser la figure. Je suis désolé de te dire ça. Mais à l'heure où nous parlons, tes parents adoptifs sont certainement déjà morts. Je suis désolé. N'aie pas peur. Je ne suis pas là pour te faire du mal, d'accord? Laisse-toi faire. C'était pas ma mère, hein. C'était pas ma vraie mère. Non, ce n'est pas ta mère. Est-ce que tu sais ce qu'elle est? Un vampire? C'est ça. De quoi te souviens-tu exactement? Je sais que je vous connais, mais je sais pas d'où. D'autre? Je crois que je vous ai déjà vu dans un de mes rêves, mais c'est tout. La légende de Siméon, ça ne te dit rien? L'ordre des chevaliers? Écoute-moi bien. Tu es la réincarnation de Guillaume de Siméon, le seul homme capable de combattre les vampires. Tu es Guillaume de Siméon. Ton âme est immortelle, mais ton corps, lui, reste mortel. Je te surveille depuis ta venue au monde, Erwan. Je suis là pour te protéger et pour que tu puisses accomplir ta destinée.
Je suis chargé de m'occuper de ton entraînement afin que tu redeviennes le guerrier redoutable que tu fus jadis. D'accord ? Mais dans l'immédiat, notre priorité c'est de nous éloigner le plus loin possible d'Ambrosia. C'est qui, Ambrosia ? C'est la femme que tu as vue l'autre jour. C'est une fidèle de Vladimir Pleguès, le vampire le plus ancien. Et surtout, le dernier sans pur. Nous devons faire très attention. Les vampires sont plus nombreux que jamais aujourd'hui. En l'espace de 60 ans, leur implantation parmi les humains a considérablement augmenté. Nous devons faire très attention. Nous devons être très prudents. Tu comprends ? Comment vous avez fait pour la changer en statut ? Comme chacun sait, les vampires sont sensibles aux ultraviolets. Et contrairement à ce qu'on peut voir dans les films, ils sont tout à fait capables de vivre en plein jour. La seule chose, c'est qu'ils ne doivent jamais regarder le soleil directement, sous peine de rester figés. En fait, j'ai tout simplement trafiqué le flash de mon appareil photo, ce qui me permet de les immobiliser quelques instants. Maintenant, essaye de dormir, on a encore pas mal de route à faire. Et si je veux pas devenir Siméon ? Tu n'as pas le choix, petit. Là est ta destinée. Vous les avez où, ces photos ? Je te l'ai dit, garçon, je te surveille depuis longtemps. Alors, vous avez connu mes vrais parents ? J'ai connu ta mère, oui. C'est vrai ? Allez, où ? Vous pouvez m'emmener à elle ? Comment elle s'appelle ? Ta mère est morte en te donnant la vie. Je suis désolé. J'ai pas de père. Écoute, ta mère t'a porté, t'a mise au monde et c'est tout. Comme toutes les réincarnations de Siméon avant toi, tu n'as jamais eu de père. Si ce n'est notre Seigneur, évidemment. Vous êtes en train de me dire que je suis comme Jésus ? Ma mère est tombée enceinte comme par magie, c'est ça ? C'est ça. Je vous crois pas. Vous êtes en train de me raconter des conneries. Hé, reste poli. Un tel langage n'est pas digne de Siméon. On va dormir où ? Vous avez prévu quelque chose à manger ? J'ai faim, moi. Et où est-ce qu'on va manger ? Tais-toi ! Quelqu'un approche. Monte dans la voiture. Comment vous savez que... Silence !
voiture. Dépêche-toi. Mais... Fais ce que je te dis. Erwan ? Maman ? Oui, c'est moi, mon chéri. Monte dans la voiture. Allez. Et vous, laissez-le. Non. Mais ce sont mes parents. Erwan, ce ne sont pas tes... Erwan ! C'est bon, nous avons l'enfant. Quoi ? Mais qu'est-ce que... Ah ! Lâche-moi ! Qu'est-ce que tu fais ? Erwan ! Je te dis, monte dans la voiture. Tu montes dans la voiture. Allez, restons pas là. D'autres pourraient venir. Léandre Dubreuil, il m'avait semblé avoir été clair le jour où nous nous sommes vus pour la dernière fois. Antoine de Polignac, fils de Théoclès, je suis ravi de te revoir. Nous avions convenu que nous nous reverrions que dans un seul cas. Et qui est cet enfant qui t'accompagne ? C'est bien lui. Dangereux pour lui de rester avec nous. Tu as toujours ce que je t'avais confié ? Mais bien sûr, j'ai toujours ce que tu m'as confié. Qu'est-ce que tu crois ? Tu comptes t'entraîner ? Bien sûr que je compte t'entraîner. C'est mon rôle, Antoine. Comme ce fut le tien autrefois. Non, non, non. J'ai dit adieu à tout ça. Moi, ce que je veux maintenant, c'est vivre une vie normale. Donc si je comprends bien, tu ne comptes pas m'aider ? Désolé, mais non. J'ai livré à cette bataille. Je vais te donner ce que vous êtes venu chercher, et après vous partirez. Désolé. Erwan ! Allez, viens, entre. Sois prêt à porter l'épée qui te revient. Tu apprendras d'abord à te servir de ça. Qu'est-ce que c'est ? Tu dois savoir qu'il existe trois sortes de vampires. Les sangs purs, nés vampires. Ce sont des démons de pure souche.
Le Sempire le plus ancien est leur chef légitime. Il est leur roi. C'est celui qu'on nomme Vladimir Plagueis. D'accord ? Ensuite, les vampires de deuxième catégorie. Les vampires ayant été transformés par des Sempires. Ceux-là vouent une fidélité à toute épreuve à ceux qui les ont transformés. Ils sont féroces et sans pitié. Et enfin, nous avons les vampires de troisième catégorie. C'est ceux qui n'ont pas fini leur transformation. En fait, ils n'ont jamais bu de sang humain. On les appelle aussi les hybrides. Ils ont la force, la rapidité et la soif des vampires, mais ils ont gardé leur âme humaine. Tu dois savoir aussi qu'il y a des humains qui travaillent pour eux. En l'espace de 60 ans, ils se sont implantés dans tous les rouages de la société. Ils contrôlent presque tout. Et ils ont des unités d'élite à leurs ordres. Tu dois te méfier de tout le monde. Chaque personne représente une menace potentielle. Tu comprends ? Colporter, sachez que j'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Tout va bien, monsieur? Je peux vous aider? C'est pas vrai, ça. Notre Seigneur à présent. Mon Dieu, non. Non, mon Dieu, non. Marie ! Ce n'est, mon fils, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais celle de Satan. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à votre sœur. Et je compatis vraiment à votre douleur.
quelle était cette créature? C'était un démon, un vampire. Cela fait 2 jours que je le traquais. Vous êtes quoi, un chasseur de démons? En quelque sorte, oui. Relevez-vous, mon ami. Je me nomme Guillaume de Siméon. Et vous, comment vous nomme-t-on? Léon Dubreuil. Eh bien, Dubreuil, vous n'êtes plus en sécurité à présent depuis que d'autres créatures comme lui ont élu domicile dans les parages. Vous devriez partir. Mais comment vais-je faire? Je n'ai nulle part où aller. J'ai bien peur que vous n'ayez le choix. Attendez, attendez. Emmenez-moi avec vous. Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Je ne puis faire cela. Désolé. Je vous en prie. Je vous en prie. Je peux vous être utile. Je pourrais combattre à vos côtés. Êtes-vous certain de vouloir d'une telle vie? Ce démon a pris la vie de ma sœur. Apprenez-moi à les combattre et je jure de vous servir jusqu'à la mort. Eh bien, soit. Qu'il en soit ainsi.